bienvenue au bord du train du désert. Marhaban wa sahlan fi qita' al-sahra. Donc ce train du désert qui circule sur une voie unique qui relie Madibou à Zourat, c'est 700 km. Le programme du train du désert est un programme d'une semaine qui, au cours de cette semaine, est une semaine très enrichissante. Chaque jour est différent du reste et chaque jour est une nouvelle découverte. Donc c'est un voyage très enrichissant et très varié. La particularité, c'est que les clients ont accès à la machine, les clients peuvent conduire la machine, la locomotive, et encore mieux, peuvent arrêter le train où ils veulent, quand ils veulent, pour faire les photos. Nous avons 6 trains maintenant ralliés qui circulent sur cette voie. Donc 3 chargés, M4, M6, M8, et 3 vides, V3, V5 et V7. La priorité est donnée toujours pour les trains maintenant ralliés. Il y a des points de croisement, des points d'évitement, des voies de gare. Cela nous permet de se mettre en voie de gare jusqu'à ce que ces très grands trains qui peuvent faire 2 500 km, 25 000 tonnes de charge passent et c'est vraiment un superbe spectacle. Le train du désert a pour but de conduire les touristes jusqu'à la grande mine de Zouerat, la mine de fer à ciel ouvert auquel nous avons accès à cette mine, à visiter cette mine, à voir les camions dans cette mine et à voir le chargement des minéraliers donc dans cette mine. Aujourd'hui là nous avons 138 wagons. 138. Le train actuellement est à la longueur de 138 wagons. Le train du désert pour moi c'est mon bébé. Parce que j'ai commencé d'être guide accompagnateur à travers le train du désert. C'était mon premier métier. Donc j'ai appris beaucoup de choses et je suis fier parce que je sens que je suis l'ambassadeur de mon pays. Je suis l'intermédiaire entre les touristes et la population. On arrive à la gare de Banamera, donc au pied du plus gros monolithe d'Afrique, Banamera, auquel le noyau du circuit, le centre du circuit, pour pouvoir donc rester 2 nuits dans un campement où nous avons la possibilité de visiter Aïcha, qui est une sculpture naturelle qui fait 280 mètres de hauteur et quasiment 1 heure de circonférence pour un bon marcheur et surtout complété par des sculptures contemporaines. La décoration a un sens. De l'extérieur, le fameux homme bleu du désert qui représente les morts de Saint-Exupéry. Et à l'intérieur, donc, la décoration du wax, de ce tissu qui représente donc notre population du sud. Aussi, le train est muni d'une calligraphie spécifique de toute la Mauritanie qui est la région de Walata. Et nous avons réussi à faire une décoration homogène, une décoration d'union pour tous les peuples qui occupent la Mauritanie et les Mauritaniens. Toutes les semaines, le train du désert est programmé donc de fin octobre à fin avril durant donc les 6 mois et toutes les semaines.